a besoin beaucoup là. Mais qu'est-ce que tu fais encore là, hein? C'est quoi ça? De quoi? Tu fais quoi là? Comment ça je fais quoi? Mais et pourquoi tu ramènes toutes ces chaises là? Oh. Mais t'es sérieux quoi? Apparemment. T'as pas entendu? Bah apparemment, à la factory, il y a 100 chaises qui devraient arriver. Bah moi, pour gagner de l'avance, bah je vais les charger dans le camion et puis je vais leur ramener les 100 chaises. Je suis pas français, je suis parisien. Et t'as qu'à pas mettre de douille si tu veux pas te faire fumer. Me fais pas tirer sur ton stick si la fumée est parfumée. Le 7-5 c'est plutôt sale, y'a pas de social, les battes sont crades. Les plaquettes de sang sont grasses, si tu veux c'est 400 balles. Salut mes camis, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo Actu du jour pour te donner l'information. C'est laquelle? Bah attends, tu sais quoi? Regarde. J'ai un rébus pour toi. Tu sais c'est quoi un rébus, mon camé? Avec des mots, avec des images, tu dois trouver un mot, un objet, quelque chose. Bref, on commence? Alors attends, ça fait comment? Fait comme ça. Donc alors, premier mot. Première image. Deuxième image. Troisième image. Quatrième image. Cinquième image. Renato sans chaise. Allez, calmez-vous les gens, c'est de l'humour. Bref, j'espère que vous allez bien, je me répète. Cette vidéo pour te parler de Renato sans chaise. Enfin, il fait ce qu'il veut. Non, je déconne, purée, mais calme-toi. Tout ça pour te dire que, sauf cataclysme, comme je t'avais dit pour Vitinha. Ouais. Comme je t'avais dit pour Mbappé. Ouais. Comme je t'avais dit pour, on vient de faire, Hugo Ekitike. Ouais. Comme je t'ai dit pour Skriniar, sauf que lui, là, il y a eu le Japan Tour, ça sera officialisé la semaine prochaine. Donc lui, c'est bon. Et là, je te le dis, comme les quatre autres protagonistes, à 95%, allez, on va prendre des pincettes et des précautions. À 90%, voilà, c'est mieux. À 90%, sauf cataclysme, tsunami, vague toutes les 15 minutes à Aqua Boulevard, Renato Sanchez fera partie du futur projet, du futur nouveau projet que veut instaurer le Paris Saint-Germain pour... alors là, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas le contrat, ni le montant, tu sais, comme hier dans la journée, je t'annonce l'arrivée d'Hugo Ekitike, je t'avais dit qu'il était à la factory, là, on savait la durée du contrat, la dureté, ça va être dur, la durée du contrat, là, j'ai pas la durée, mais bon, je vais pas, je sais pas, entre 3 et 5 ans, le montant, alors là, par contre, on a un montant, d'après source, le Parisien, d'après le Parisien, ça serait sur un montant qui avoisinerait les 13 ou 15 millions d'euros, pour être précis. 13 millions d'euros, je crois, pour pas dire de bêtises. Donc voilà, donc pour 13 millions d'euros, on va avoir Renato Sanchez qui va compléter la paire Vitinha-Verratti, qui va venir s'incorporer dans ce milieu. Est-ce qu'il fera partie de la rotation ou d'un titulaire en puissance? Je ne sais pas, puisque son gros point négatif, c'est que c'est le pire en termes défensifs. Il a la pire stat. Zedrias, dédicace à toi mon petit Z de Paris Central, qui m'a envoyé sur Twitter en message privé les statistiques de Scout, je sais pas quoi, une petite application sur toutes les statistiques par-ci et là, les trucs, les machins, les... bref, c'est toutes leurs données GPS, leurs conneries. Bah c'est le pire défensivement. C'est le mec qui récupère le moins de ballons, qui est le plus bas. Bref, je t'invite à aller voir les statistiques défensives de Renato Sanchez. Là, on vient de choper le milieu de terrain le moins défensif d'Europe, si ce n'est du monde. Non, mais là, quand je dis monde, j'exagère. Calme-toi, barre-toi. Merci. Non, c'est chaud. Donc, tu me diras, est-ce que lui, si on le prend, c'est pour défendre? Bah j'ai envie de te dire, si on prend des milieux là, c'est pour créer des joueurs au milieu, mais c'est pour aussi défendre. Parce que si on prend juste des milieux à la Verratti qui sont juste là pour créer, ou à la Vitinha, mais bon, même Vitinha, je t'ai déjà dit dans une vidéo quand je t'allais présenter, il va être dans le contact et dans le tampon lui, donc lui c'est pas un souci. Le souci avec Renato sans chaise ou sans tabouret, hein, tu l'appelles comme tu veux, je déconne, c'est de l'humour, calme-toi. Le seul problème, voilà, c'est son aspect défensif, on va pas se mentir, on va être honnête. Enfin, moi, je suis honnête, en tout cas, avec toi, mon Camé. Défensivement, c'est une quiche. Hein. Alors, défensivement, Danilo, il le bouffe. Hein. Danilo, bah, tu vois, sur ce même genre de statistiques, si je me suis pas trompé dans la lecture et l'analyse que j'ai pu me faire des 5-6 images
En statistique que Zedrias Z de Paris Central m'a envoyé, si j'en ai fait la bonne lecture, Danilo est beaucoup plus dans l'aspect défensif qu'un Renato sans tabouret. Je déconne, sans chaise. Enfin bref, tout ça pour te dire dans cette vidéo, on va pas la faire courte, on va faire comme Hugo Ekitike alias l'étiquette hier. Donc pour Renato Sanchez, a.k.a. le tabouret, bah c'est pratiquement fait, 90%. Donc les gars, youpi, hurra, un nouveau joueur au milieu. Est-ce que c'est le profil exactement qu'on avait besoin? Est-ce que c'est le profil type qui nous manquait au milieu de terrain? Je ne crois pas. Maintenant, il va être là, il sera là, faudra l'utiliser. Je pense qu'on va faire des belles choses. Hein. T'imagines un petit trio comme ça sur des matchs faciles. Vitinha, Verratti, Renato sans tabouret. Eh, ça va être magnifique, les gars. Magnifique. Sur des petites équipes comme ça où il n'y a pas trop de confrontation en face, ça ne nous rentre pas trop dans l'art. Maintenant, en phase européenne, où des certains matchs en Ligue 1, si on arrive comme ça à la fleur au fusil avec trois mecs qui tricotent au milieu, ceci, cela, ça ne va pas être la même chanson. Bref, on n'y est pas encore. Voilà, c'était pour vous annoncer en avant-première, le mec qui se prend pour un acteur de cinéma. Non, bref, pour voler, voilà, quelques heures en avance, parce que ça sera officialisé quand? Je ne sais pas. Est-ce que ça sera officialisé comme Skriniar au retour du Japan Tour, c'est-à-dire la semaine prochaine après les deux matchs qu'ils ont contre Kobe, je sais pas quoi, et Kobe, je sais pas quoi. Là-bas, là, ils vont jouer contre un bœuf et contre un mouton. Ah, je déconne, putain, c'est de l'humour. Calme-toi. Ah non, ils vont jouer contre les frères Tang FC. Ah, vas-y, calme-toi, je vais arrêter mes conneries ici. Voilà, mes camés. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Dis-moi en commentaire. Tout simplement, ce que tu penses de Renato Sanchez. Est-ce que tu penses que c'est un bon profil? Est-ce que tu penses que c'est un profil qu'on a besoin et qu'il fallait qu'on aille chercher? Ou c'est un profil qu'on a pris comme ça parce qu'il n'est pas 13 millions d'euros, c'est pas très cher non plus. Il a 24 ans, champion d'Europe avec le Portugal. C'est pas non plus un clown ou un peintre, on est d'accord. Mais il faudra voir ce que ça donne. Donc moi, personnellement, je suis quand même bien content. Il faudra voir comment Galtier et Sacramento vont l'utiliser. Bref, mes camarades, je vais vous laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et puis, je te dis à bientôt. Salut !